enseigne qui a 160 magasins aujourd'hui, qui sont des surfaces moyennes spécialisées, 21 ans bientôt d'existence, sur un concept de papeterie, fourniture, bureautique, informatique, mobilier, le tout avec du discount, du cash and carry, et un environnement très axé sur des projets liés à l'environnement et à un mode de fonctionnement très axé aussi sur des valeurs qui sont la confiance, l'écoute, l'engagement, la solidarité, la transparence. Il a un rôle de chef d'entreprise en distribution, c'est-à-dire qu'il achète directement à ses fournisseurs sur des conditions négociées par la centrale, fixe ses linéaires avec nos conseils d'implantation et puis reçoit ses clients toute la journée, échange, discute, leur donne l'information dont ils ont besoin et grâce à ça les fidélise, que ce soit des particuliers pour la rentrée des classes ou des professionnels pour leurs besoins annuels. Il doit avoir des compétences équilibrées entre le commerce, la gestion et les ressources humaines. Et aucune des trois ne peut être mauvaise. Pour deux équipes qui vont de 2 à 12 personnes pour un magasin, sachant que plus que la moitié de notre développement vient de l'interne, donc beaucoup de nos franchisés ont un deuxième, un troisième, voire un quatrième magasin. Depuis le départ, il y a une recherche et une aide à la recherche de sites, une formation qui dure plusieurs mois en magasin, aussi bien qu'en salle, une aide à la commande d'ouverture, à la communication d'ouverture, puis une aide permanente sur toute l'année au travers de visites en magasin, de réunions régionales, de salons, de séminaires qui vont accompagner le franchisé et correspondre à ses choix et à ses besoins d'évolution dans un métier qui ne cesse de progresser.